bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour débuter ce numéro, on va découvrir une ONG. Elle est basée à Strasbourg et elle s'appelle Portes Ouvertes. Elle vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde et pour cela, chaque année, elle édite un index des persécutions. Il a été publié le 16 janvier dernier et le pays qui arrive en tête est la Corée du Nord. Mais bien d'autres pays persécutent des chrétiens. Pour en savoir plus, nous avons rencontré quelques témoins. On va bientôt communiquer à l'ensemble de la presse les résultats de l'index mondial de persécution des chrétiens. On a reçu le classement. Cet index est réalisé avec les données remontées par les équipes de l'ONG Portes Ouvertes, présentes partout à travers le monde. On compte aujourd'hui 2 milliards de chrétiens sur Terre. Parmi eux, 245 millions seraient fortement persécutés selon Portes Ouvertes, ce qui représente un chrétien sur 9. Si la persécution contre les chrétiens était un lac, cette année, ce serait un lac plus profond et plus large, avec une tempête à la surface. D'abord, plus profond, c'est-à-dire que le poids de la persécution autour du monde augmente. On voit par exemple, quand on regarde juste la pression quotidienne, ce qu'on appelle l'étau, ça augmente 16% partout dans le monde aujourd'hui contre les chrétiens. Mais l'autre aspect, cette année, c'est un lac qui devient plus large aussi. Parce que de plus en plus de pays dans notre monde sont touchés par la persécution et on voit vraiment un débordement, surtout en Afrique. Et troisième facteur, si on prend cette image, il y a une tempête à la surface. La tempête, c'est la violence. Les assassinats, les églises incendiées, les femmes violées, les personnes kidnappées. Pas une violence telle en Algérie, mais un climat de plus en plus tendu. Le pays passe en effet du 42e au 22e rang des endroits dans le monde où les chrétiens sont fortement persécutés. C'est un des pays du monde, les pays musulmans, où l'Église grandit le plus vite. Et ces chrétiens n'ont pas le droit de se réunir. Il y a une campagne systématique de la part de l'État de fermer les lieux de culte. Pour nous parler de cette situation algérienne, nous avons rencontré Youssef Ouraman. Il est pasteur à Oran. Depuis plusieurs années, il sent la pression monter à l'encontre de son église. Il nous en donne quelques exemples. Parfois, tu trouves des fourgons de police qui sont constamment devant l'église chrétienne, mais aussi parfois, ils envoient leur indicateur qui assiste évidemment au culte pour leur donner leur rapport, mais aussi, ils te convoquent. Et maintenant, dernièrement, ce qu'ils voulaient, ils ont convoqué pas mal de pasteurs, ils l'ont demandé chaque week-end. Après le culte, il faut faire un rapport du nombre des chrétiens qui ont assisté au culte, le pasteur qui a prêché et le thème. Alors il faut leur faire un rapport chaque week-end. Ils veulent nous étouffer, ils veulent nous mettre vraiment virtuellement dans la crainte et ce n'est pas normal pour moi, vraiment, ce n'est pas juste. L'injustice, c'est ce même sentiment qui hante aujourd'hui encore Cécile et Joseph. Ces chrétiens irakiens de Bagdad, qui préfèrent témoigner anonymement, sont réfugiés en Alsace depuis 2008. Ils vivaient à Bagdad, dans un quartier mixte chrétien-musulman. Mais la vie y était devenue trop dangereuse, les menaces beaucoup plus précises. Cécile nous explique les raisons qui les ont poussés au départ. يعني بسبب الاضطهاد الديني والخطاب اللي صار ضد المسيحيين هم كفار وبسبب تهديد مستمر على أمن بناتي واختطاف زوجي مثلا مرتين اختطفونه فورها انه كان لابد ان اطلع من البلد حتى أمن على الاقل على حياة عائلتي. Pour Portes Ouvertes, ces persécutions à l'encontre des chrétiens sont très graves. Elles relèvent de la négation même des libertés fondamentales. En effet, la liberté religieuse figure à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948.
Voilà pour ces témoignages. On va se rendre maintenant dans le Haut-Rhin, à Morschwiller exactement. C'est un village juste à côté de Mulhouse, de 3600 habitants. Là-bas, il y a le Cercle Saint-Ulrich. C'est une association sportive et culturelle qui existe depuis 130 ans. Et bien, cette association, pendant 57 ans d'affilée, a été dirigée par un seul homme, c'est Paul Suter. Pendant son mandat, les membres sont passés de 80 à 800. Mais qu'est-ce qui l'animait ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le reportage qui suit. Donner le nom d'un homme à un bâtiment, quoi de plus normal ? Mais quand cet homme est toujours en vie et bien présent à la cérémonie, voilà un événement exceptionnel. Ça me fait plaisir, ben ça sent quand même un peu le sapin, non ? Non ? Plus que le sapin, c'est l'odeur de la reconnaissance. Une reconnaissance pour 57 ans de présidence bénévole du Cercle Saint-Ulrich de Morschwiller. Paul Suter avait seulement 23 ans lorsqu'il prend les rênes de cette organisation sous l'impulsion d'un curé, Georges Struchler. Il m'a convaincu, je ne sais pas pendant combien de temps, mais il m'a convaincu que je pourrais peut-être être celui-là qui pourrait reprendre les rênes de présidence pour une association qui, à l'époque, n'était pas trop grande, avec 80 membres, donc spécialement de la gymnastique et du théâtre et du tir. Pour comprendre son engagement, il faut connaître son histoire. Paul Suter est né à Mulhouse en 1938. Il est le cadet d'une famille de 3 enfants. Lorsqu'il a 7 ans, en 1945, sa maman meurt renversée par un convoi militaire. Le fait d'avoir perdu sa maman assez jeune, il a souhaité toujours créer sa propre famille et puis pouvoir rassembler. Et c'est ce qui fait autant dans la famille qu'au cercle. Le but, c'est de rassembler beaucoup de monde et d'avoir toujours cette bonne ambiance. Et voilà, moi, je pense qu'effectivement, ça a une influence, ça a influencé. Sa famille, il l'a construite avec sa femme Monique, leurs 2 filles, Christine et Annick, et leurs 4 petits-enfants. Et en plus de son poste de directeur financier, sa 2e famille, c'est le Cercle Saint-Ulrich. Oui, c'était ça, Pauline, c'était ça la pointe. Oui, maintenant il faut juste monter ton genou. Monte, voilà. On avait commencé avec 80 membres dans l'association. Aujourd'hui, il y en a 800. Et alors je dis toujours, c'est des 800 oui, membres, mais surtout des participants. Hein. Des utilisateurs, beaucoup sont seulement utilisateurs. Ils viennent par exemple faire la gymnastique de détente, mais à part ça, il n'y a pas une autre approche dans la vie de l'association, sauf si on fait une assemblée générale ou une grande manifestation. Alors qu'à l'époque, avec 80 membres, chacun devait donner un coup de main. Et bien des coups de main ont été nécessaires pour suivre les projets de Paul Suter. En 1973, il a notamment été à l'initiative de la première exposition de peinture du village. Pour l'artiste peintre André Baldec d'Ideco, Paul Suter a été bien plus qu'un président. Ah ben c'est une vocation, c'est plutôt un sacerdoce, je dirais. C'est un peu comme la peinture, comme le créateur, l'artiste en général. C'est une vocation, mais je dirais plutôt un sacerdoce, quoi. Encore plus fort, quoi. À la demande de l'association, Déco a réalisé une œuvre représentant Saint Paul. Il explique pourquoi cette figure correspond à Paul Suter. L'aspect religieux, c'est plutôt un comportement de chrétien, c'est-à-dire avoir une oreille, rendre service, se dévouer aux autres, l'activité, la principale activité, c'est justement de dynamiser un peu les savoirs, autant sur le plan culturel que sur le plan sportif tout court, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a été tous formés au cercle par le sport aussi. 3, 2, 1, 0. Mais l'élément qui fait peut-être le plus la fierté du président est la construction de ce nouveau bâtiment, inauguré en 2015. Toutes les personnes qui rentrent dans cette salle, ils sont contents parce que c'est une salle neuve, elle n'est pas trop grande, elle s'adapte vraiment à ses activités de danse, gymnastique et éveil.
ça convient aux moniteurs, ça convient aux pratiquants, ça convient aux jeunes. Et quand je rentre parfois, quand il y a l'éveil, ils sont en train de chanter ou de dire des comptines, c'est merveilleux. Je dirais, c'est comme au paradis. Una scena dans ta polka, tu sûr, et weiß nicht, was ich morat hat. Voilà, c'est parfait. Le cercle Saint-Ulrich est également connu pour sa troupe de théâtre dialectal. Encore un autre cheval de bataille du président. Il s'est toujours battu pour maintenir le théâtre dialectal. Il était président du groupement du théâtre du Rhin, donc c'est lui qui a fondé ça. C'était quand même son bébé quelque part. À aujourd'hui 80 ans, Paul Suter a conscience qu'il doit passer le relais. Il a trouvé son successeur en la personne de Jean-Pierre Mangin, trésorier de l'association durant 25 ans. C'est toujours difficile de prendre la succession de quelqu'un qui a dirigé le cercle pendant 57 ans. Mais après, il faut faire les choses dans les règles de l'art et s'adapter. Et continuer, comme dit, ce qui a été fait. Pour autant, Paul n'est jamais très loin. Mais il manque déjà à certains. Au théâtre, il y a des fois des petits soucis, entre guillemets. Et avant, j'allais voir Paul et tout ça, je pouvais lui en parler, me donner les bons conseils. Maintenant, j'arrive au secrétariat, Paul n'est plus là, quoi. Donc c'est pour moi, je me sens un peu orpheline quand même. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. En mars dernier, Paul Suter a officiellement quitté ses fonctions. Oui, ce fut ma deuxième famille, elle est souvenir de ces années où, étant également président, par défaut, dans la section de basket. Je consacrais tous les dimanches après-midi au basket pendant toute une saison sportive. Ceci a naturellement une incidence directe sur ma vie de famille. Aussi, je tiens à associer mon épouse Monique à l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et toute ma famille. Mais oui, enfin, moi, je suis heureux d'avoir trouvé un successeur et que je puisse voir que le cercle Saint-Ulrich va continuer, parce qu'autrement, ça aurait été vain pour moi d'être présent pendant 57 ans et après de dire qu'est-ce qui va arriver à cette association. Là, je sais que ça va continuer et un jour du ciel, je pourrai la contempler. En attendant, il garde un regard bienveillant sur l'association en tant que président d'honneur. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.